vas des fois, toi, à la MC2? Non. Pourquoi? Alors moi, les spectacles d'un télo... Un télo... Bah oui, à la MC2, c'est quand même des spectacles très intello. Je peux te poser une question? Si tu veux. Tu fais tes courses au centre-ville? Bah évidemment. Ah bah, merci, hein, pour manger tous les jours des poireaux. Ah bah, enfin, t'es pas obligé d'acheter des poireaux au centre-ville. Ah bon? Quoi d'autre? Bah y a tout ce que tu veux. Tu crois? Mais enfin, voyons, dans les centres-villes. Peut-être. Non, mais pas peut-être. Il y en a pour tous les goûts. Ah, si tu le dis. Bon, qu'est-ce que t'as, Chloé, contre les centres-villes? Bah, rien, Chloé. Rien. Bah, alors pourquoi tu viens me parler de centre-ville au milieu d'une conversation sur la MC2? Tu y es déjà rentrée dans la MC2? Une fois. C'était pour quel spectacle? Les femmes savantes. Molière. Encore un truc d'un télo, ouais. Ah non, pas du tout. C'était plein d'esprit. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Drôle aussi, hein. Drôle? À la MC2? Tu m'étonnes. Je te jure? Ah bah si tu me jures. Du coup, demain soir, il y a John Baez. À la télé? Non, à la MC2. John Baez? Celle qui chante avec Bob Dylan à la MC2. Ah ouais. Problème, c'est que depuis qu'elle a été refaite, qui John Baez? Mais non, la MC2. Eh bah, je sais pas par où on entre. Bah, il y a une porte. Ah bon? Ouais, une vraie. Hein. Même que quand tu la pousses, elle tourne. Et puis il y a des fauteuils aussi. Tu sais t'asseoir? M'asseoir? Et sur tes fesses? Bah évidemment. Alors, je crois que t'as le profil. Le profil? De la spectatrice idéale. Tu sais pousser les portes, t'asseoir sur les fauteuils. On dirait même qu'elle a été faite pour toi, cette maison. Tu crois? Je crois. Tu crois? Ou t'es sûre? Qu'est-ce qu'elle en pense, Catherine ?